80. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Vous nous mettez toujours de la bonne humeur souvent comme ça, après des grands temps souvent un peu durs dans l'actualité. Panangia, c'est le tout premier extrait de l'album Wolves of Africa, les loups d'Afrique en français. Le tout nouvel album mélange de James BKS. Oui, et la couleur est annoncée dès ce premier extrait à Mohamed. C'est un mélange assez singulier de rap américain, de hip-hop africain et de mélodie pop. C'est vraiment très très efficace comme vous venez de l'entendre. Alors faudra surveiller de très près l'un de ses prochains titres à James BKS. Ça sera un duo avec Will.i.am des Black Eyed Peas, ce sera dans le courant du mois de juillet. Rien que ça, hein, Will.i.am quand même. Rien de méchant. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, hein, James BKS, c'est le fils du regretté Manu Dibango. Il a passé son enfance entre la France et les États-Unis, mais il est très influencé par ses racines camerounaises dans sa musique. Il a été producteur pour les plus grands du rap, hein, comme Puff Daddy ou encore Snoop Dogg. Il est également compositeur de musique de film. Et si vous avez envie de le voir en concert, Mohamed, sachez qu'il est en concert et en tournée donc dans toute l'Europe. Actuellement, James BKS. Belgique et Suisse, notamment, peut-être. On va maintenant passer, mon cher Nicolas, à l'un des événements de cet été, c'est ça ? Exactement. La sortie du film Les Liaisons Dangereuses sur Netflix, ça fait beaucoup parler, un film réalisé par la Française Rachel Suissa. Ah oui, Les Liaisons Dangereuses, monument littéraire, on peut le dire, un monument littéraire de Pierre Choderlos de Laclos, sorti en 1782 avec les incontournables Vicomte de Valmont et Marquise de Merteuil. Roman adapté maintes et maintes fois sur petit et grand écran. Et cette fois, l'histoire est transposée de nos jours à l'ère des réseaux sociaux. Une sorte de liaison dangereuse version 2.0. Regardez. Tu serais prêt à quoi pour te faire connaître ? Faire partie de l'élite ? C'est qui elle ? Une parisienne. Elle vient de rentrer à Hugo cette année. Je vais refaire mon challenge personnel. Je vais lui retourner le cerveau à des points que ce sera elle qui me suppliera de coucher avec moi. Je vais jouer. Un, tu couches, deux, tu jettes. Je peux te faire visite, tu vois. J'ai quelqu'un et je suis très fidèle. Là-haut, là. C'est l'aristocratie bas, certifié inséparable. Attends, ils sont ensemble ? Oh, wow. Let's talk. Tout en haut de la pyramide, King Badiola et Queen Merteuil. Des influenceurs comme Naya et Ariel. T'as la case de bouffon du roi et de la reine. Et tout en bas, t'as les paysans. Aujourd'hui, le pouvoir, c'est la fame. Y'a pas de gloire sans avoir. On choisit pas qui on est, ni qui on aime. Bon, vous l'avez compris, hein, on suit l'histoire d'une ado romantique qui tombe sous le charme du mauvais garçon de son lycée. L'histoire se passe à Biarritz et ce mauvais garçon, eh bien, il fait un pari aux dépens de cette jeune fille avec une redoutable influenceuse. Voilà pour le pitch de ce film. Alors on pourrait se dire que l'on est loin, très loin de l'histoire originelle, mais pas tant que ça, Mohamed, car finalement les thèmes traités dans le roman de Delaclos, eh bien, ils traversent les époques, comme nous le confirme Rachel Suissa, la réalisatrice du film. Écoute. Le narcissisme, l'image, l'obsession de l'image qu'on renvoie à l'autre, les guerres de pouvoir. Cette guerre en fait, qui se livre entre la morale et la luxure, c'est le bien et le mal. Je me suis dit qu'au jour d'aujourd'hui, tous ces thèmes-là méritaient d'être transposés parce qu'on était en plein dedans. C'est-à-dire l'aristocratie était l'élite de l'époque. Aujourd'hui, l'élite... c'est la fame, c'est la célébrité, la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, on a une arme de plus, en fait, pour pouvoir être connu au plus jeune âge. Quelqu'un qui, voilà, qui arrive dans une certaine élite peut avoir vu, peut avoir connu autant de choses qu'un aristo de 50 piges, en fait, il y a 300 ans. Moi, je me suis dit, à l'âge de 17, 18, 19 ans, comment est-ce que, à ce moment-là, où tout est encore possible, en fait, qu'est-ce qui se passerait si notre Valmont pouvait avoir une conscience qui s'éveillait ? Est-ce qu'en fait, ça changerait quelque chose ou est-ce que les dés étaient déjà jetés de toute façon ? Analyse intéressante, en tout cas, comme réflexion, comme quoi, entre le 18e et aujourd'hui, il y a des passerelles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va relancer l'intérêt pour le roman initial, Nicolas. Bon, vous savez, à un moment, tout ce que touche Netflix se transforme en tendance. Donc oui, on peut imaginer qu'avec ce film qui sort dans le monde entier, ben, le roman original va redevenir très, très à la mode. Et c'est ce que confirme Rachel Suissa. Écoutez. C'est mon souhait. Absolument. Je pense qu'ils pourront s'identifier justement les petits chaînons manquants en fait. Ils vont pouvoir dire ah mais en fait je comprends mieux
ce que Madame de Tourvel voulait dire dans cette lettre. Et je comprends mieux ce que Cécile de Volanges ressent quand elle parle à sa copine Sophie, en fait, depuis le pensionnat. Parce qu'en fait, c'est un peu ce que Charlotte disait, Je pense qu'ils vont réussir à trouver des bons ponts. Et en fait, ce film est construit comme ça, en fait. C'est des ponts générationnels. C'est des ponts aussi entre le monde classique de la littérature et les supports ultra-modernes d'aujourd'hui. Là, en fait, ça va permettre de remettre au goût du jour le livre et peut-être donc en s'identifier un petit peu plus et ensuite avoir envie de revoir le film et justement même essayer de trouver les petits ponts. C'est assez amusant de finir le puzzle chez vous. Alors, on va surveiller le classement des meilleures ventes de livres parce que je pense que le livre de Delaclos risque d'être dedans ces prochaines semaines. Voilà, Les Liaisons Dangereuses, c'est à découvrir dès demain sur Netflix. Voilà, le cinéma et la lecture, ça fera pas de mal. Nicolas, on a appris la disparition d'un des plus grands auteurs japonais contemporains. Ouais, le décès de Kazuki Takahashi, auteur de manga. On lui doit notamment la saga Yu-Gi-Oh! Publiée entre 1996 et 2004. 38 tomes mondialement connus, notamment parce qu'ils ont été déclinés, souvenez-vous, en cartes à jouer, mais aussi en série et en film d'animation. Il aurait été victime d'un accident de plongée à Nago, au Japon. Et pour finir, Nicolas, vous vouliez nous faire vivre une découverte, un artiste britannique assez étonnant. Allez, juste une image pour terminer, effectivement, Mohamed. Regardez, avec cet artiste qui s'appelle James Cook, il a 25 ans et il fait des dessins avec des machines à écrire. Oui, c'est très, très étonnant. Tout est millimétré pour faire des portraits, mais aussi des monuments. En moyenne, il lui faut 4 ou 5 jours pour réaliser un dessin. Sa première exposition est organisée cet été en Angleterre et il espère bientôt être dans le livre des records avec le plus grand dessin réalisé avec une machine à écrire. Je voulais juste vous le montrer parce que c'est assez insolite quand même. Impressionnant et insolite. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, Mohamed.